En botte. Ouais, qu'en botte, t'as pas de secret, hein. T'as pas les watts, hein. Mais bon, c'est bien d'avoir quelqu'un devant soi au plusieurs pour pouvoir se motiver, quoi. Ouais, bah après, je pense que t'as une longue file indienne, hein. J'ai jamais fait avec autant de personnes sur le cerveau. Je pourrais pas dire, mais... c'est pas mal. Ça sert un peu cyclo-sportif. Voilà, c'est ça. Allez, départ de la montée du Stelvio sur un Néo 1. Bloqué à 22. Oh non ! Sur un Néo 1 réglé à 100% de réalisme, on va voir ce que ça donne les changements de pente. C'est ses casse-pattes et tout, braqué 34-28. Allez, c'est parti, Stelvio. Bonne chance. Entendez les gars ? Ouais, ouais, t'entends, pas de soucis. Il y a 200 mètres d'échauffement, là, c'est tout. Oh, oh, ça a bugué. Merde. Oh, c'est pas grave, on va être prêt. Oh, putain, il y en a partout déjà. Ah bah, tu parles. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, Lyon. Si vous me voyez passer comme un avion, je suis désolé. Viens de loin l'entrée. Allez, je prends mon rythme de croisière. Rythme de croisière, 450 watts. Hein. C'est juste derrière moi, Eric. Je sais pas où t'es. Ouais. C'est où? C'est juste devant moi. Ouais. Je te dis pas l'échauffement. Moi je commence l'ascension 67ème. On verra là-haut. 34 là. La poisse. On verra bien. C'est en file indienne. Hein. Ouais. Là, ça joue pas des coups pour le placement. Non. C'est un coup de tête. Hein. Oh la vache. Ça me rappelle la fois où j'ai monté le Ventoux, pour de vrai. Au premier kilomètre, je voyais une dame pousser son vélo. Ouais. C'est pareil, là. Allez, ventilo. Ça fait un peu long, ces kilomètres. Ça se traîne un peu vite, hein. Non, on appelle avant. Où est l'homme sympa?
carrément, hein. C'est une connerie. Hein. En rouge dans les virages, hein, en soirée. Pourtant, 13 km/h, c'est pas vite. Je ne peux pas glisser à 13 km/h. J'ai le peloton. Hey, ils ont dressé la pente depuis samedi ou dimanche. Ah, il a déjà plu la pente ce dimanche. C'est la pluie, ça fait pousser. Ouais. Au-dessus des 10 km. Thank you.
Sinon, je suis en pleine discussion avec ma femme. Ils n'économisent pas grand-chose derrière quelqu'un. Ouais, j'ai pas l'impression que... Ah non, c'est quand même... Ah, ça soulage, ça fait bien. Encore. Ah, t'as changé de manière, hein? Ouais, ouais. De temps en temps, faut changer un coup, parce que... Ah bon? Ah, je te cherche en jaune. Eh ben non, je suis en bleu. Force bleue alors. Force bleue.
après ils font loin les autres. Oh bah oui hein. Oh là, s'ils font plus de 100 mètres. Avec Dieu sur un village, tu vas en prendre là. Ouais, ouais, aussi, ouais. Ouais, ça peut aller. Ah non, non. On va pas serrer le moteur. Pas dans l'échauffement. Dans les virages, vache. À 13% ils sont bien, 14% ils sont bien aussi. C'est bon, un petit groupe qui va se former. Ouais. Pour l'instant, je passe pas les 160 pulls, ouais, pareil. J'essaie de gérer là. 168, moi. Je vais reculer la pince, je peux pousser. Ouais. 379 watts de moyenne depuis le pied. Ouais. Ouais. Et je suis 9e. Alexis Louge, il m'a doublé. 52 kilos, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Avec toi, Benoît. Même toi, Benoît. Hein? Bah non, Mathieu. Même toi, il fait 64 kilos, hein? Ouais. Allez, moi, c'est le moteur qui ne voit pas après. Ah, mais bon. C'est toujours entre 4 et 450 kilos. Ouais. Ouais, 4 j'explose après. C'est vrai?
Ben oui, elle est où? Bon, il reste 8 km. Tu n'as pas fait la moitié. Tu verras quand on sera à la moitié. Tu compteras 30 minutes. Ce sera pas mal. Ouais. Ce sera une bonne chose. Ouais, 7%, ça me convient mieux quand même. Hein. Ça passe mieux, là. Ah oui. Je peux renvoyer un peu, là. Thank you.
C'était mon petit kilo de plus. Mathieu, ouais. Le mec derrière toi, dans la chambre devant, il ratonne depuis le départ. Il n'y a pas de ratonnage sur une course en col. C'est de la moulinette. Je me permets, je fais un peu. Je vous ai déjà dit, moi, j'ai un Elite Miro et il simule qu'à 7% max, j'attends. Ouais, mais ça change rien, c'est les watts qui comptent. Ouais. Si les watts sont justes, je m'en fous qu'ils mettent 0%. Ah, mais du coup, j'ai pas la sensation de douleur dans les jambes, comme vous pouvez avoir. Toi, t'as un héros, c'est ça que tu disais? Ouais. Moi, je suis sur des rouleaux connectés. Ouais, d'accord. Après, je fais 60 kilos aussi. La douleur, elle vient avec ta moyenne de watts, peu importe la résistance que tu as. Ouais. Moi, j'ai 365 de moyenne depuis le pied. Ouais, je vais être à 300.
Ah ouais, bah laisse tomber, 149 pulses. Ouais, je comprends mieux. Ah, tu peux. Non, dire... attends, j'ai un problème avec mon cardio. C'est pas mes bons données. Faut que je lave ma ceinture cardio. Ah. Non, mais je l'entends aussi à ton essoufflement. C'est un problème de cardio. Je suis au moins 165, vraiment. Je change de pied ou quelque chose, je sais rien, mais... c'est pas très bon. Donc voilà qui me passe à 5 kilos sans rougir. Tiens, c'est l'hôpital. Alors du coup, ben, c'est pas fait de m'attendre. C'est les pays. Williamson, il est à bloc depuis le départ. Il est dans le rouge. Depuis le début. Thank you.
attend d'abandon que ça, on a encore 60 riders. Hein. Tu m'entends? Je te confirme, j'ai un problème de cardio. Il y a
T'as déjà vérifié ton entraîneur? Ouais. En fait, j'ai un problème avec mon entraîneur. C'est que sur le plat, il me simule toujours genre 0,5-1%, alors que je suis à plat. Et ça, c'est normal. Que j'ai sur le plat. C'est normal, c'est pas. C'est pas du tout un problème, c'est normal. Mais je crois que t'as pas compris que ce qui te fait avancer, c'est les watts. Oui, donc tu pourrais être à 10% de plantes résistance et toi sur le plat, t'adapterais ton braquet et en fait tes watts, bah, tu pousserais comme tu peux, ça reviendrait au même. D'accord ? Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que mon entraîneur, il y a un défaut. Faut que je le renvoie en garantie. Il a du mal à se mettre avec la pente. Alors en gros, il y a des fois, à froid, c'est à 0,5%, j'ai l'impression que c'est à 7%. C'est un truc dingue. Et après, au bout de 20 minutes, il va mieux. Mais ouais, bah, par son plan, toujours en prise. En descente, je suis toujours en prise, il ne coupe jamais. Ouais, ouais. C'est pour ça que sur les courses qui sont normales, j'arrive pas à suivre. Là, j'ai l'impression d'être... j'ai l'impression d'être quasiment normal, quoi. En fait, par rapport à tout le temps sur mes montées dans mon Auvergne natale. En fait, je suis d'accord que c'est pas normal qu'il se comporte comme ça, ton entraîneur, et que c'est pas réaliste. Parce que pour eux, quand on achète un entraîneur connecté, le but c'est quand même de ressentir la pente et tout ça. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que tu dis que c'est pour ça que tu as du mal à suivre. Parce que ça, c'est pas possible que ça soit la raison. Par exemple, j'en connais beaucoup qui ont des home trainers classiques, pas du tout connectés. Ouais. Mais qui ont des capteurs de puissance très fiables. Et en fait... Si tu veux, moi, il m'affiche la puissance qu'il me renvoie quand je suis sur le plat et qu'il me fait une simulation de merde, il me renvoie 100 watts, quoi. Alors que je suis à bloc. Ah, d'accord. Alors là, c'est pas la même chose. Non, je veux dire qu'il sous-estime tes watts sur le plat. Ouais. Et c'est plus juste quand tu es en côte. D'accord, ouais, je comprends. Donc ça, c'est un 3 rouleaux, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça, c'est l'Elite Nero. Mais j'ai déjà discuté avec Elite par mail, avec le support, ils m'ont dit de le renvoyer en garantie. Sauf que là, vu qu'on est en confinement, je vais attendre un peu. D'accord. Non, parce qu'un home trainer, parce que je connais pas cela, un home trainer smart classique, tu règles la pente à 0, à 50 ou à 100, ça va juste lisser ton effort et éviter de changer de braquet. Mais l'effort que tu dois produire, il est le même, tu vois. Après, tu vois, moi, ça me va bien qu'il s'arrête à 7%. Parce que, enfin, encore, moi, ça va, mais pour les mecs lambda qui grimpent pas beaucoup, je peux dire que ça fait drôle sur les rouleaux. Ouais, ouais. Je suis bien content de ne pas avoir les 25% qui s'affichent d'un coup. Ouais, c'est clair. Alors là, c'est la première fois que je faisais le Stelvio en entier. Et j'ai mis 100% avec le Tax Neo. Et d'habitude, j'aime bien, mais là, il y a des défauts dans les virages. Ça a beau être un board fait par RGT, ça devrait être nickel. Et pourtant, il y a des gros changements de pente brusques dans les virages. Ouais, mais je vois bien. Ouais, ben c'est ça le problème, c'est que moi, là, ces portions-là, je les ressens pas, moi, dans les jambes. Parce que dès que ça passe au-delà de 7%, moi, c'est comme si tout était... D'habitude, j'aime bien, en jouant du braquet, j'arrive à m'adapter à ces changements de pente assez brusques, du moment que ça reste réaliste. Mais là, c'était trop et c'est vrai que ça m'a un peu gêné, le fait d'être à 100% dans ces moments-là. En tout cas, les mecs qui sont devant moi, il y en a au moins 3, ils n'ont pas les données réelles. C'est impossible. Avec ça, c'est toujours la question qu'on se pose, mais comment savoir quand tu connais pas les mecs? Y a des fois des comportements flagrants, plus sur les courses plates, mais là c'est difficile de savoir, peut-être en allant voir le cardio, mais sinon c'est assez difficile de savoir si c'est dû au mec qui est vraiment fort ou dû au home trainer qui surestime. Là, en vrai, mon cardio, pour le coup, c'était pas une bonne option, il est vraiment défectueux, il faut que je fasse un truc. Ouais. Parce que même quand je prends. J'ai 3,53.
53. Ah ben, tu vois que t'as mis moins d'une heure, Eric. 52-47. Bah, le premier, 42-56. Florent Maillard, champion de VTT. Dame Vuillier. En plus. 44 minutes, bah, c'était mon favori, mais je savais pas que Florent Maillard serait là, donc là, c'était une belle bataille. Je les voyais au début, le temps que mon cœur monte, je les voyais à 100 mètres, mais après, ils sont volés. Ah, ça, c'est des plats où tu peux bien relancer. Hein. Tu le connais, Louge ? Qui ? Celui qui fait 6, Louge. Ah bah oui, c'est le speaker de la Frenchy Fusion sur YouTube. D'accord. Parce que, tiens, il envoie lui aussi. Hein. Bah tu le connais, toi, t'es pas de la Frenchy ? Non. La peau à plume. Ah bah oui, ça peut plus, je fais 52 kilos, je pense. Ouais, à peu près. 54, 52. Ouais. Plus, je les voyais sur la fin, ils étaient à 8 watts par kilo, j'ai dit oulala. Et il avait pas dû se mettre à fond pendant plus de 20 minutes sur RGT, parce que sa FTP, elle devait être mal réglée, Alexis, parce que c'était tout le temps rouge, ces watts kilo. Ouais, il y avait 3-4 de mecs devant, ils étaient tout le temps dans le rouge. Et bon, s'il baisse leur FTP avant pour tromper l'ennemi. Ouais. Bon, après, moi, je pense que ma FTP a dû faire un grand bond en avant. À 270 avant. Et... Ouais, j'ai. Alors là, j'ai 359 de moyenne sur 48 minutes. Ouais, et 284 moyenne. C'est marrant, il propose pas de tromper. Je vais regarder ma moyenne, moi. Bon, 182. Ah, c'est pour ça que j'ai mis moins d'une heure. Ouais, là j'ai coincé quand même parce que. Avec 154 de moyenne cardio. Ah oui. Là, j'ai 166 de moyenne. Cardiaque ? Ouais, cardiaque. Ah, toi, normalement, en ressenti, normalement, j'étais à peu près par là. Je sais pas ce que j'ai à mon cardio, mais il est de travers. Ça fait un mois, il me fait n'importe quoi. Changer la pile, non ? Bah, j'ai changé de pile, je l'ai lavé plusieurs fois, je l'ai resserré, je sais pas ce qui me fait. C'est bizarre. Normalement, je tape à 180, 185 même, si je crois que je suis vraiment fort. Et ça fait, je crois, à un moment, j'arrive pas à passer au-dessus de 175, c'est quand même bizarre. Surtout quand je suis à bloc, sur le plat, avec vous. Bon bah, Jérôme, connecter, mais... je te voyais dernière moi, Jérôme, je me suis dit, il va revenir sur la fin. non, j'ai quand même, à partir de mi-parcours, j'ai regardé ma courbe de watts, j'ai baissé quand même. Ouais, moi aussi. C'est long quand même. Hein, j'ai fait 326 watts de moyenne et puis 164 pulls, je pense que je suis dans mon truc. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Après, je pense que quand même, même la meilleure des simulations, enfin avec le meilleur matos, je pense qu'on n'est quand même pas vraiment les mêmes sensations qu'en vrai. Ah, il y a forcément des différences, mais tu parles de quoi ? Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait entre vous, le Stelvio en fait, vrai. Moi, je l'ai fait une fois il y a 2 ans. Après, un call, ça reste un call. Quand tu peux te mettre en danseuse et puis dans une vélo, ça change, tu changes de position comme ça. Après le temps, j'essaierai de retrouver dans mes données ce travail, le temps que j'avais mis en réel et le temps là. Enfin, pour avoir une comparaison. Par contre, j'ai pu faire une comparaison sur Zwift, sur l'Alpe d'Huez, entre la réalité et Zwift. Je l'avais fait en reco, pas à fond, à 256 watts de moyenne, pour que ce soit un truc que je sois capable de refaire quand je veux. Et comme ça, en rentrant, je l'ai refait sur Zwift en me calant à 255 watts de moyenne, à 1 watt près, quoi.
Et j'ai mis 4 minutes de moins sur Zwift avec le même poids. Ouais. 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 C'est un peu pareil. T'as pas le vent, t'as pas le rendement de la... Ça aussi. Bah ouais, mais bon, le vent, il n'y en avait pas, donc c'est comparable. Et le rendement de la route, bah, il pourrait le simuler, mais bon, après, on s'en fout. Le but, c'est pas que ça soit pile la même ouais, durée. Mais c'est intéressant de le savoir, quoi, par curiosité. Non, je compare le Ventoux par Malocène, combien j'avais fait aussi. C'est pareil, j'ai des temps de référence. Mais en fait, je pense que c'est aussi qu'on met notre poids à jeun au réveil, mais peut-être que ça serait plus juste le temps si on mettait le vrai poids complet avec l'équipement, les chaussures, le casque et tout ce qu'on met sur le vélo pour le pédale. Oui et non, parce que ton vélo, il est, enfin, le poids équipement, il est à 7,7. Il prend pas le casque et la tenue en même temps. Bah 7,7, ça fait déjà léger pour un vélo seul. Donc si tu rajoutes ton repas du matin avant la cyclo, les chaussures, le casque, les vêtements, t'as quelques kilos de plus. Les bidons, les trucs de dépannage, chambre à air, tout ça. Non, je veux dire, si tu comptes vraiment le poids que tu déplaces pour monter et que tu mets ce même poids dans Zwift, on s'approche. Alors RGT, j'ai pas fait de test, mais on s'approche quand même d'une bonne simulation. Mais c'est juste qu'on peut pas mettre ce poids-là parce que les adversaires, ils le feraient pas. On serait le seul con à le faire. Donc ça marcherait pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a un tapis qui existait chez Tax, le Tax Magnum. Ça, je l'ai déjà testé et ça a calculé les watts. Mais pour que ça marche, on était obligé de mettre le poids. Genre, on met la balance à côté avec tout le vélo et tout, on se pèse et là, ça marchait bien. Par contre, du coup, pour Zwift, t'étais baisé parce que si tu mettais ton vrai poids, enfin, comme sur Zwift, ça te développait moins de watts. Et si tu mettais le poids qu'ils veulent, t'as les bons watts, mais t'étais freiné, donc tu pouvais pas suivre dans tous les cas. Ou alors, il fallait un capteur de puissance sur le vélo. Bon les gars, je vais vous laisser. Tout le monde joue le jeu, tout le monde fait dans le même moment de la journée, tout ça, à peu près. Après, si tout le monde est à moins 1 kg de son vrai poids, ben, c'est comparable. Pour les courses, j'entends. Oui, oui. Après, pas pour les temps de référence sur un col donné, mais pour voilà. Bon, allez, salut, à bientôt. Venez nous rejoindre sur les courses RGT le jeudi soir à 18h45. On est de plus en plus nombreux et on fait des parcours variés. Et comme vous pouvez le voir, là, on a fait de la montagne et puis on change un peu toutes les semaines. Allez, à plus. Salut.